Attends, Jacques. Et j'avais oublié de fermer la porte, c'est pour ça qu'il faisait. Bon, installe-toi, je vais te préparer un petit déjeuner avec tout ce trajet, tu dois avoir faim. Voilà, mon grand. Allez. Bah, t'as perdu l'appétit. Allez, vas-y, mange. Ah, bah, j'aime mieux ça, hein. Sinon, dis-moi, Jacques, comment ça se passe avec Valérie, alors? T'en fais toujours voir de toutes les couleurs, hein. Mais je t'avais prévenu. Et comme d'habitude, tu m'écoutes pas. Cette femme n'est pas faite pour toi. Oh mince, c'était la serpillière. Oh, désolé, Jacques. Et les enfants, ils vont bien? Ils demandent de mes nouvelles de temps en temps. Ouais. Ah, comme c'est mignon. Ça montre qu'ils n'ont pas oublié leur mamie Thérèse. S'ils venaient, je leur préparerais tous leurs plats préférés. D'ailleurs, il faut à tout prix que je te fasse goûter ma confiture de myrtille. Attends, je vais te la chercher. Jacques, viens m'aider à attraper la confiture. Elle est trop haute pour moi. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites chez moi? La confiture est juste au-dessus, Jacques. Elle est bonne, hein? C'est une vieille recette de ma grand-mère. Elle nous en préparait souvent à moi, mes frères et sœurs, quand on était petits. Ah, c'était une autre époque, Jacques, tu sais. On n'avait pas grand-chose et on se contentait de peu. Cette confiture de myrtille, c'était comme notre récompense. Oh, je me souviens, on était tellement contents quand il y en avait sur la table. Oh, mais enfin, Jacques, mais tu peux pas te balader dans la rue avec un pantalon en si mauvais état. Va t'asseoir sur le canapé, je vais te le recoudre. Non, c'est bon. Si. Voilà, mon grand, c'est bon. Tes pantalons sont vraiment en piteux état. À mon époque, les gens savaient s'habiller avec des vêtements de bonne qualité. Et là... Ah oui, là! T'es à notre mariage avec ton père. Il m'avait offert une bague. Oh, je me souviens, qu'est-ce que j'étais heureuse. Cette bague, c'est la seule chose qui me reste de lui. Et là, c'est moi avec... 8 heures? Déjà? Oh, je suis vraiment désolée, mon grand. Je parle. Attends, je vais aller te chercher un pull-over que je t'ai tricoté. Tu vas quand même pas sortir habillée comme ça avec ce froid. Le voilà. Allez. Allez. En tout cas, c'est vraiment gentil d'être venu me rendre visite, mon Jacques. Mon Jacques.
Merci.